I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour, bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, mon nom est Jonathan Drapeau, je suis en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrière, a.k.a. Nastradamus. Comment ça va mon Ben? Ça va bien toi-même? Yes, ça va super bien, je suis vraiment content de te voir. Ah, ben moi aussi. Aujourd'hui, ben, on fait une émission spéciale sur quelqu'un qui nous a vraiment fait capoter quand on était jeune, puis il nous fait encore capoter. Ah ben oui, dans notre top 10 des meilleurs lutteurs. Yes, ben il s'agit dans le fond de notre émission spéciale sur Ricky the Dragon Steamboat. Alors, tu peux en parler. Je tiens à dire, vous allez sûrement être d'accord avec moi, tout le premier, tu vas être d'accord avec moi. Les plus beaux crossbody puis les plus beaux arm drag, c'est Ricky Steamboat qui les faisait. Tout à fait. Une personne qui s'est distinguée beaucoup là, dans les années à partir de 75, 80, début 90. Puis, il a comme arrêté un petit bout. Puis, il faisait comme des highlights de temps en temps qu'on voyait. Là, on va pouvoir en parler. Il était producteur aussi. Exactement. Puis, trois fois Hall of Famer pour différentes promotions. Puis tout ça. Ouais. On va en parler tantôt. Et puis, dans le fond, Ricky the Dragon Steamboat, il est né. Son vrai nom, c'est Richard Henry Blood. Senior, mieux connu sous le nom de Ricky the Dragon Steamboat, mais qu'il se fasse annoncer de Hawaï. Il est né à West Palm, dans l'État de New York. Il a des origines anglaises et nippo-américaines. Oh, ben ça se voit tout de suite, là, le style asiatique. Ouais, ouais, ouais. 1976, c'est ses débuts dans la lutte professionnelle de Ricky Steamboat, effectivement. De Mr. Blood. Yes. La AWA, sous le nom de Rick Blood, par exemple. Ouais, exactement. 76-77. Il a fait le saut de la AWA à la CWF, la Championship Wrestling from Florida. Et c'est là que le promoteur et lutteur Eddie Graham l'a baptisé Ricky Steamboat. Car selon Steamboat, Graham croyait que Rick Blood était un nom pour un heel, alors que lui, il a pratiquement tout le temps été face. Ouais, c'est ça. Après ça, dans les années 77, c'est sous les recommandations de Wahoo McDaniels. L'Amérindien. Oui. Au booker de la Jim Crockett Promotion, George Scott, que Steamboat fait ses débuts dans cette fédération. Le match qui a mis Steamboat sur la map, dans le fond, c'est son combat face à Ric Flair. Après une double poussée de la corde supérieure pour remporter le championnat NWA Mid-Atlantic. D'ailleurs... De la télévision, d'accord? Oui, c'est ça. Puis Mid-Atlantic, ça a été un tremplin très, très, très important pour Ricky the Dragon Steamboat. On va en parler tantôt. Je vais ouvrir une parenthèse à propos de ça. Ça va être incroyable. Puis d'ailleurs, chers amateurs, restez avec nous à la fin de l'émission. On va avoir quelque chose de spécial. Puis Ben n'est pas au courant. Fait que ça va être encore plus hot. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que continuons. Toujours en 1977. Ouais, ben là, c'est parce qu'il a fait genre 8 ans dans cette compagnie-là. Jusqu'en 85, Steamboat a remporté 3 fois le championnat NWA US Heavyweight Title et 6 fois le championnat NWA World Tag Team. Yes. Dont une fois avec Paul Jones et 5 fois avec Jay Youngblood. Il a également été 2 fois champion NWA Mid-Atlantic Heavyweight. Ouais. Il a été 4 fois champion du NWA Mid-Atlantic Tag Team Championship. 3 fois avec Paul Jones, une fois avec Jay Youngblood. Ouais. En plus de ça, il a aussi remporté le titre de télévision qui, à ce moment-là, avait été renommé NWA World Television Championship une deuxième fois. Yes. Probablement le titre qu'Arn Anderson avait, le titre de la TV qu'Arn Anderson avait, ça devait être cette ceinture-là. Puis dans cette époque-là aussi, il y a eu un combat qui est vraiment très important, qu'on va parler tantôt. C'est un combat face à Harley Race. Ça a été un match, un Ironman match. C'est le premier combat d'une heure que Ricky the Dragon Steamboat a fait. Fait que la WWE, WrestleMania 12, ils ont copié là-dessus?
Ouais. Ben, ils sont inspirés de ça. Ouais, c'est ça. Puis ça l'a fini par un draw à la fin. OK, 0-0. Ouais, exact. OK, il n'y a pas eu d'overtime. Non, du tout. Alors, après certaines feuds avec Flair, Baron Von Rutschke, Sgt. Slaughter, Paul Jones, Tully Blanchard et j'en passe, il a quitté la Jim Crockett Promotion en 85, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à la suite de certains différends avec le booker de l'époque, The American Dream, Dusty Rhodes, qui nous a malheureusement quitté en 2015 d'un cancer de l'estomac. Yes. Et puis, en fait, il a fait ses débuts à WWF à l'époque, en 1985. C'est là que, dans le fond, il s'est fait surnommer The Dragon. Ouais, le style karatéka avec les culottes blanches, les culottes rouges, avec les genres de dragons dessus. Et puis, le 31 mars 1985, lors du WrestleMania 1 au Madison Square Garden de New York, il a battu Matt Bourne, qu'on connaît sous le nom de Dong the Clown. Ouais, bien sûr. Qui a interprété Dong the Clown, parce qu'il y en a eu plusieurs. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y en avait plusieurs. Là, il y a Apollo... Ray Apollo. Il y a Eugene, Brooklyn Brawler. Jericho a parlé dans une promo avec Regal. C'est lui qui avait fait le gimmick Battle Royale, c'était Jericho? Ouais, je pense que oui. Ah, ça se peut. Et puis, le 14 septembre 1985, est-ce que tu veux nous parler de cette période-là, mon ami? Oui, bien sûr. Lors de l'édition de Championship Wrestling, Steamboat a battu M. Fuji. Mais après sa victoire, il fut attaqué par le poulain de Fuji, qui deviendra son prochain rival, The Magnificent Don Morocco. Ce qui conduit Steamboat à une feud contre ce dernier et Fuji. Lors d'un épisode télévisé de WWF Championship Wrestling, Steamboat et Morocco étaient bookés pour un match qui n'a jamais officiellement commencé après que Magnificent Morocco ait sauté sur Steamboat avant le début du combat. Yes. Après le passage à tabac, Morocco et Fuji ont ensuite utilisé la ceinture noire de karaté de Steamboat pour le suspendre à l'extérieur du ring depuis la corde supérieure avant que Steamboat... Oui, il l'étranglait, tu te souviens, c'est ça je pense, hein? Disons qu'il y a beaucoup de matchs qui sont inspirés c'est ça. Puis c'est ça, avant qu'il se soit fait sauver par Tito Santana et Junkyard Dog, deux grands faces de l'époque. Et puis, on se souvient, en début janvier 1986, le 4 janvier pour être plus précis, lors du Saturday Night Main Event 4, sa feud avec Morocco s'est terminée après que lui et Junkyard Dog ils ont battu Morocco puis Mr. Fuji dans un match par équipe. Oui, le 7 avril 1986, il bat Hercule Hernandez dans le premier match de la partie de Los Angeles de WrestleMania 2. Yes. Parce qu'il faut se rappeler qu'à WrestleMania 2, il y a eu 4 combats à New York, 4 combats à Chicago et 4 combats à Los Angeles. Mais pour ouvrir la partie de Los Angeles, c'était Steamboat qui a remporté contre Hercules Hernandez. Dans le temps qu'Hercule, avec son genre de costume du gladiateur romain, un peu. Tu sais, il y avait des figurines dans le temps, de 1985. Je sais pas si tu l'avais, ce figurine-là. Ouais, je pense que oui. Oh, oui. Le 3 mai 1986, lors du Saturday Night Main Event 6, il était supposé avoir un match contre son rival, Jake the Snake Roberts, qui était ill à l'époque, tu te souviens? Il a commencé ill. Affilié avec Undertaker, une super de belle époque. Ah non, mais ça, c'est avant, parce qu'il a été... Tu sais, il a été face, il a été heel, il a été face, puis il a retourné heel. Puis il a retourné face. Si on veut, c'est ça. Il est écrit par WCW. Yes, mais il était en face au King of the Ring. Tu sais, il avait fait un combat contre Stone Cold Steve Austin. Ouais, là, il était face. Il était face. Ouais, dans le kayfabe, Vader, il avait scrappé les côtes. Ouais, c'est ça. Exact. Donc là, le match n'a jamais eu lieu, parce que, je ne sais pas si tu en rappelles, Jack the Snake Roberts avait fait un DDT à Steamboat sur le ciment, là. Non, je m'en souviens. Ah, c'était violent, ça. Ah, ouais. Cool. Puis, dans le fond, le 28 août 1986, il a battu Jake Roberts au Big Event à l'exhibition Stadium de Toronto dans un Snake Pit match devant 74 000 personnes. C'est quoi l'anecdote que Guy Auray avait déjà dit dans la cassette de Jobber? Ils ont refusé 10 000 personnes lors du show. La popularité d'Hogan, parce qu'Hogan, là, à Toronto, c'était un dieu. Là. Okay. Mais tu l'avais à WrestleMania 6 et à WrestleMania 18. Il aurait pu être le maire la semaine prochaine s'il avait voulu Hogan. Ouais, c'est sûr. Non, d'une certaine manière. Ah, ouais, c'est clair. Je pense que c'est la ville de Toronto. Je me demande si c'est pas la ville qui aime le mieux Hogan. Ah, ça se peut. Parce que toutes les fois qu'Hogan a passé là, man, c'est... Ouais, mais faut pas oublier que, tu sais... Si on regarde la carte du Canada, Toronto, là, il est bien placé pour aller chercher les gens de l'Ouest puis aller chercher les gens de l'Est. Ah, t'as beaucoup de fans de Hogan là-dedans. Fait que là, ben, tout le monde s'est ramassé centralisé. Là, j'ai l'impression que ça donne une t'as du monde, t'as du monde US qui ont traversé, ils ont parti du ben sud. Oui, parce que dans le fond, t'as comme New York qui est juste en bas. Ouais. Fait que le monde monte puis c'est pas trop. Ouais, ben, au sud, t'as Buffalo, New York, c'est ça. Exact. Le
octobre 86, pardon. Yes. La feud entre les deux s'est finalement terminée lors du Saturday Night Main Event numéro 7 du samedi. Lorsque Steamboat a vaincu Roberts dans leur match revanche Snake Pit, après le combat, Roberts a continué à attaquer Steamboat. Il était sur le point de placer Damien le serpent sur lui, mais Steamboat a sorti son crocodile de son sac et Roberts, en beau québécois, il a eu à la chienne. Ouais, puis c'était cool, hein? Je sais pas si tu te souviens, il apportait son... Ouais, c'est comme un dragon. Ouais, c'est... Puis il crachait du feu, c'était hot. Hein? Il devait s'inspirer de Crocodile Dundee, tu sais, qui venait de sortir dans la même époque. J'imagine. Et puis, ensuite de ça, le 22 novembre 1986, il y a eu le début de la feud avec Randy Macho Man Savage. Et puis, en effet, Steamboat il a obtenu une chance au championnat intercontinental que Macho Man avait à l'époque. Steamboat il a perdu le match par décompte, mais après le match, Savage a continué à l'agresser et blesser et le frapper au larynx. Là. Mais ça, le monde y croyait en maudit. Hein? Ah ouais, ben ouais. Ah, il jump de la toit, paf, la dent à la gorge. Là, il se tenait le... C'était à gauche, on veut. Ouais, c'était hot en Chris. Il avait frappé avec la cloche aussi. Ouais, ben c'est ça, il y avait le genre de cloche en bois comme on avait dans le temps de. Ouais, c'est ça. Il avait sacré ça dans la gorge. Dans le fond, le 3 janvier 87, ben, il y a eu Saturday Night Main Event 9. Puis dans le fond, Steamboat il est revenu en tant que manager contre George Steele, dans le fond. Ouais. George Animal Steele. Celui qui mangeait les couilles. Ouais, exactement. Le gros parfum qui mangeait les couilles. Peut-être faire un spécial à moment. Ouais, ça serait cool. Car ce dernier affrontait Randy Macho Man Savage. Fait qu'ils ont pu comme poursuivre un peu la feud là, derrière tout ça. Puis, tu sais, parce que de mémoire, Steamboat est revenu dès le début janvier. Oui, je pense que c'est le 4 ou le 5, ça. Je vais refaire des recherches. Ouais, ouais. Puis c'est contre le jobber Barrio. Oh, oui, qui le... Ouais, ben le frère Cowboy Bob Orton, puis l'oncle Randy Orton. Et puis, veux-tu continuer à nous parler de... Ah ben oui, le 29 mars 87, journée marquante, WrestleMania 3, devant 93 173 spectateurs au Pontiac Silverdome. Il a remporté le championnat intercontinental contre Macho Man Randy Savage dans le match de la décennie, qu'on pourrait dire, selon plusieurs. Là. Ben, moi, selon moi, Ben, il fait partie des trois meilleurs matchs de tous les temps. Un match qui vieillit bien, en tout cas. Ouais, moi, jamais je vais me tanner d'écouter ça, puis c'est un match qui devait 35 ans, 36 ans. Là. Ouais. Ah, il est incroyable, ce match-là, pour vrai. Là. J'en parle, j'en ai des frissons, c'est incroyable, pour vrai. Un chef de, comme on dit, considéré comme un classique instantané, un chef-d'œuvre par les fans et les critiques, il a été nommé Match of the Year 87 par Pro Wrestling Illustrated et le Wrestling Observer, même pour plusieurs, le match de la décennie 80. Ouais, puis il y en a plusieurs aussi qui ont comme tout décortiqué ça, là, la psychologie, puis les moves, puis tout ça. Ouais, c'est incroyable, pour vrai. C'est un beau souvenir. Tu sais, dans la biographie de Macho Man, il en parle, là, c'était tout de A à Z, là. Tu me fais un home drag, je te fais un headlock. C'était bien placé. Ouais, la chimie était là. Hey, mais ça prend de la mémoire en calvaire, un match de 15 minutes, tout retenu. Ouais, ouais. Ah, c'est incroyable. C'est une chorégraphie athlétique exceptionnelle. Puis plus tard dans l'année, Ricky Steamboat voulait un congé sabbatique pour être auprès de sa femme qui allait accoucher prochainement. Puis il a été puni par Vince McMahon en lui faisant perdre son titre face à Honky Tonk Man le 15 juin lors du Superstar. Ouais, apparemment que c'était supposé être Butch Reed, le champion intercontinental, mais il a fait un no-show. Okay. Fait que c'est Honky Tonk Man qui a eu le push, puis on sait ce que ça a fait, là, 460 jours de règne. Ouais, puis après ça, il s'est fait battre en 3-4 secondes par le. Oh, ouais, il s'était fait. Il y avait sûrement par le Warrior. Mais c'était nice. Ben, c'est ça explique, tu sais, on disait sa femme était sur le bord de la coucher, ça explique pourquoi qu'à WrestleMania 4, il est accompagné avec son petit gars. Yes. D'ailleurs, son petit gars, il a le temps à la FCW, si je ne me trompe pas. Ben, ça se peut. L'ancien club école de la WWE. OK. Ben, c'est en 1988, départ de la WWF, quelques temps après le WrestleMania 4 du 27 exact, mars. Exact. Au Trump Plaza. Ensuite de ça, en janvier 89, il y a eu le retour à la NWA, dans ses vieilles amours, la World Championship Wrestling, affilié à la NWA, ouais. Lors de l'édition du 21 janvier 1989 de la World Championship Wrestling. Cela est devenu, dans le fond, plus tard la WCW. Ouais, en tant qu'équipe surprise, partenaire de Hot Stuff, Eddie Gilbert, contre le champion du monde de la NWA, Ric Flair et Barry Windham. C'était un match par équipe, dans le fond. Puis, ils ont remporté
les Tailface qui ont remporté le combat. Là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. 20 février 89, Steamboat remporte le titre NWA face à Ric Flair. C'est le début de la trilogie mémorable entre les deux gladiateurs, la fameuse trilogie. Ouais, celle qui est beaucoup marquée. Une des meilleures feuds qu'il y a jamais eu. À travers le monde. Et puis, à partir de 89, dans le fond, il y a eu plusieurs matchs. Là, il y a eu un deuxième match de trilogie au Clash of the Champions. Il y a eu aussi le troisième match qui s'est donné avec Ric Flair à Wrestle War 89 au Music City Showdown. Ben c'est ça, le deuxième match, Steamboat a conservé, puis le troisième match, c'est Flair qui est devenu le nouveau champion. Si je ne me trompe pas, c'est ce match-là que Terry Funk a fait son heel turn. OK, ça se peut. Il a fait un heel turn sur Flair, ou c'est le match d'avant, là. Ça se peut. Tu sais, là, il faisait comme les juges, là, qui notaient qui évaluaient un peu les lutteurs qui étaient le meilleur des deux, puis là, En venant se féliciter Ric Flair, ben, il a fait son heel turn. La Field of the Year en 89, d'ailleurs, nice. Terry Funk versus Ric Flair. Nice. Et puis le 23 juillet 1989, il perd contre Lex Luger au Great American Bash par disqualification pour le titre NWA des US. États-Unis. À noter que Luger a fait un heel turn sur Steamboat plus tôt dans l'année. Puis dans le fond, c'est ce qui a apporté dans le fond le combat. Là. Ouais, 91, après avoir quitté la NWA et fait quelques séjours dans des fédérations comme la NAWA, la SAPW, parce qu'il y en a une qui virait l'autre, là, ouais, et NGPW Japon, il a fait son retour à WWF. Cependant, il porte seulement le nom de Dragon. Okay. Tu sais, il a son costume de dragon puis il crache du feu. Ouais, c'est ça. Puis en 91, le 26 août, dans le fond, ben oui. Lors du SummerSlam 1991, il a fait équipe avec Kenny Von Erich et Davey Boy Smith contre The Warrior, Hercules et Paul Roma, avec une victoire, encore une fois. Son crossbody, il me semble. Ouais, c'est ça. Puis, petite anecdote. Ouais, ben, vu qu'il a fait, il a pratiquement été face pratiquement toute sa carrière, semble-t-il qu'il aurait demandé à Pat Patterson de virer Hill, mais Pat Patterson lui a dit que Non, t'es pas fait pour être heel, faut que tu sois face. Ben, ça se peut, il était tellement... Ah, il y avait un personnage qui... Tu peux pas être heel. Ça faisait penser un petit peu à Liu Kang, là, Mortal Kombat, un petit peu. Ouais, Bruce Lee, Liu Kang. Et puis en... Novembre 91, lors de Clash of the Champions 17, victoire du champion tag team de la WCW face à Enforcers, Arn Anderson et Larry Zbysko. Et ils ont perdu ce titre le 16 janvier 1992 face à Arn Anderson et Bobby Eaton. C'était-tu les Forcemen à cette époque-là? Non, okay, c'était vraiment les Enforcers. OK. Dans un hors-show à Jacksonville. 17 mai 1992, lors de Wrestle War, il a fait partie de l'équipe Sting Squadron avec comme partenaire Sting, Barry Windham, Dustin Rhodes et Nikita Koloff pour gagner contre The Dangerous Alliance composé de Steve Austin, Rick Rude, Arn Anderson, Bobby Eaton et Larry Zbysko, accompagné de Matt Uso et Paulie Dangerously, qui est Paul Heyman, bien sûr, yes. Par soumission dans un War Games match, tu sais, les deux rings. Là. Ouais, ils font ça à Survivor Series à ce temps. Oui, vraiment. Puis ensuite de ça, le 20 juin 1992, il a battu Rick Rude à WCW dans le Beach Blast 4 à 3 dans un Ironman match. Fait que c'est 30 minutes. Ouais, c'est un 30 minutes cette fois-ci, par exemple. Parce que des fois, c'est des 30 minutes, des fois, c'est des 1 hour. Ensuite de ça, en septembre 1992, il a remporté le titre de la WCW face à... Télévision? Ouais, parce que Austin était champion télévision. Ouais, c'est ça. Face à Stunning Steve Austin lors du Clash of the Champions 20 pour le perdre le 29 septembre face à Scott Steiner. Big Papa Pom, qu'on connaît bien. Oui, 18 novembre 92, lui et Shane Douglas remportent le championnat tag team unifié NWA et WCW parce qu'il avait fusionné les titres parce que là, il était rendu autonome. Le WCW était plus la bannière NWA à ce moment-là. Ils ont remporté face à Barry Windham et Dustin Rhodes à Clash of the Champions du 21. Yes. Ils le perdent le 27 mars 93 face aux Hollywood Blondes, Brian Pillman et Steve Austin. Très belle équipe. Et puis, le 18 août 1993, ils ont battu Paul Orndorff lors du Clash of the Champions 24 pour le titre TV de la WCW, puis ils ont perdu le titre face à Steven Regal, qu'on connaît bien. William Regal, lors du Fall Brawl 93, le 19 septembre 1993. 17 avril 1994, lors de Spring Stampede, lui et Flair deviennent, si on veut, co-champions du monde poids lourd WCW en faisant un double pin. Mais par contre, Flair va finir par le battre le 14 mai pour reprendre possession du titre. Yes. Après son congédiement en septembre 1994 par Eric Bishop, Steamboat s'est retiré des rings. Il est toutefois apparu en tant qu'arbitre
et légendes dans des fédérations telles que la TNA. Je me souviens qu'il avait fait une apparition à la Ring of Honor dans les années 2000, si je ne m'abuse. Ouais. La WCW comme producteur. Producteur. Et il a même lutté à WrestleMania 25 et à Backlash 2009 face à Chris Jericho. D'ailleurs, j'ai visionné par après, je n'avais pas écouté live WrestleMania 25. Quand tu me disais Steamboat, les mêmes mots d'homme drag qu'à WrestleMania 3 là, contre Jericho, là, c'était. Là, le bonhomme avait genre 55-56 ans, mais il n'avait rien perdu de son talent. Ah, c'est sûr qu'il n'avait plus le corps d'un gars de 20 ans. Non, mais il était incroyable. Là, pour vrai, Ricky Steamboat, là, c'est une machine, là, pour vrai. Là. Pour en revenir à la TNA, on parlait de Steamboat qui était apparu à TNA. Tu te rappelles le premier show de l'histoire de TNA, la bataille royale pour le titre NWA vacant, là, yes, que Shamrock a gagné en finale contre Malice? Ouais. TNA, c'est une particularité, les batteurs royales. Les deux derniers dans le ring, c'est un single. Ben ouais, c'est sûr. Plus over the, c'est pas over the top. Over the top, t'as pas dit? Yes. Et puis, est-ce que tu voulais parler un petit peu des récompenses là, que Ricky Steamboat a eues tout au long de sa carrière? Oui, le 4 avril 2009, mesdames et messieurs, il est intronisé au Hall of Fame de la WWE par son rival de toujours. Yes. Un de ses bons chums, même dans la vraie vie. Je te dirais Ric Flair. Yes! Les fameuses récompenses PWI à cette heure? Oui, vas-y, mon ami. Le Match of the Year 87 contre Macho Man Randy Savage à WrestleMania 3, c'est bien du moins. Yes! Match de l'année 89 contre Ric Flair à WrestleWar. Yes! En 2009, le lutteur le plus inspirant, ben, Inspirational Wrestler of the Year. Oui. En 2009. Ça. Yes! Recrue de l'année en 77. En 77. Le prix Stanley Weston de 95 et le Tag Team of the Year en 78 avec Mr. Paul Jones. Yes, puis dans le fond, Steamboat a genre raflé là, Criff pratiquement tout sur son passage, honnêtement. Moi, je me souviens, il était incroyable ce lutteur-là, pour vrai. Puis encore aujourd'hui, tu en as parlé, en 55 ans, il luttait comme un dieu, là, pour vrai. C'est un espèce de sudoku. C'est un gars qui peut avoir inspiré le High Fly d'aujourd'hui aussi. Ah, tout à fait. Il était agile. Ricky Steamboat, il était agile, il était en shape, il était technique. Un lutteur complet, comme on n'en voit pas beaucoup aujourd'hui. Ah non, c'est certain. Et puis, ben, j'avais une petite surprise, puis Ben n'est pas au courant. Fait que... Benoit and Jonathan, Ricky the Dragon Steamboat here, and I want to congratulate you guys. This is the third season of the Wrestle Rock podcast, and you are watching WRP. So guess what? I'm in the middle right here at the Dragon's Den, and I want to give you the grand tour. So maybe there's some bits and pieces of the Dragon's Den tour that you guys can use. How about that? All right, let's start over here. Benoit and Jonathan, I've been inducted into three Wrestling Hall of Fames. The Professional Wrestling Hall of Fame from the NWA. DCW now, that's a small independent wrestling company. And then right here, 2009, I was inducted into the WWE Hall of Fame. I'm gonna run by the class. Here's Howard Finkel, Dory and Terry Funk, the Funk Brothers. You remember Coco Beware? Cowboy Bill Watts, the man in the back with the hat. And then, of course, Stone Cold Steve Austin, myself, and then Kevin Von Erich from the Von Erich Wrestling Family. Let's step down to this corner. I call this my Mid-Atlantic memories. Now, back in the day, there were territories all around the country. The Mid-Atlantic region was North, South Carolina, and Virginia. And why is this area so special to me is because that's where I got my main event start. I started in the business in 1975, and about a year and a half later, 1977, I got a main event push. And it's responsible to a guy that I'll get to in a little bit. But you see some photographs here. I'm holding some regional titles. This one's the United States Heavyweight Championship, which then brings us to this picture. The other guy is Harley Race, and he was the world champion, so being the United States champion, it made me the number one contender. This picture was taken in Raleigh, North Carolina, 1979, and it's also special because back in the day, I don't know if you guys know, but back in the day, the main events had 60-minute time limits, 1 hour. Well, in this match with the world champion, Harley Race, I wrestled him to a draw. 1 solid hour with the world champ, my very first 1 hour. I always want to give a mention here, Jay Youngblood. We were the NWA World Tag Team Champions on 5 different occasions.
Great tag team partner. Moving over here, I mean, the bookshelf here, as you'll see, there's a lot of Ricky Steamboat memorabilia, a bunch of wrestling dolls. I want to show you a pair of my dragon boots with airbrushed dragons on the side. They're red. These happen to be my favorite, but, you know, over the years, I had a number of boots, but the red ones were my favorite. Got some LJN original, the first dolls that came out of pro wrestlers. And I want to show you something here. They made a stretchy of Ricky Steamboat. That's right. Still in the box. So, I want to also show you this quick picture here. You know, I got the Steamboat name from a guy named Eddie Graham. He was a promoter down in Florida. This is Sam's Steamboat. He was good friends with Eddie. Sam had since retired in the early 70s. I went to Florida in 1976, and Eddie Graham gave me the Steamboat name and called me Ricky Steamboat. He said, I'm going to start advertising you as his nephew. No family relation, but that's how I got the Steamboat name. Okay. Let's move down to this corner here. You're going to see some cartoon caricatures of me, all done by different artists. This one down here is really special. It says, best wishes from Phil Ortiz. Now, he's one of the artists that drew for the Simpsons TV show. We were at a convention doing autographs, and he came over and handed it to me. He said he was a big-time Dragon fan. And so I got a Simpson look-alike Ricky Steamboat caricature there. Nature Boy Ric Flair, 16 times he was the world champion. Woo! I mentioned earlier, I got my main event start in the Mid-Atlantic region. Well, he was the number one heel for Crockett Promotions in that area. He was the one that went to Jim Crockett, the promoter, and said, you know, I want to try something with this new kid that you just had come in. And he's responsible for getting me into the main events. Nature Boy, Ric Flair. All right, guys, you'll see a bunch of trophies here. I did participate in some bodybuilding back in the day. And I did it while I was still wrestling on that crazy, crazy diet of trying to get cut up. But I'm going to show you a picture here. On the one side is me. The other guy, Superfly Jimmy Snuka. That's right. We were competing at the WBBG Southern States North and South Carolina Heavyweight Championship. The judges brought the two of us out to do a side-by-side because the points were so close. But at the end of the evening, they gave me the first place trophy, and I beat Jimmy Snuka narrowly by just 2 points. Moving along, I always have to pay homage to this guy, Macho Man Randy Savage, in the classic match that he and I had at WrestleMania 3. This is a seat back from the Silver Dome. They had since demoed the building, but they start selling those seat backs for souvenirs. I got a plaque here that says that it's an original Pontiac Silverdome seat back. I got seat number 3 to represent WrestleMania 3. I want to give you a shot of what the evening looked like with 93,000 fans. And then I got a very rare photo here. This one right here. That was taken on the night of WrestleMania 3. It shows me giving Macho Man a big double chop. What's so special? This is the only one that I know of that's got my autograph on one side and Macho Man on the other. Very cool. Over here you see some more pictures of Steve Austin, Bobby Backlund, Lex Luger, China here giving a shot here to a very young Rock. Jake the Snake giving me a clothesline. Into the 90s with WCW, with Turner's organization, Sting. Number one guy for the company. Mickey Rourke gave me an autographed picture when he made the movie The Wrestler. Shane Douglas, we were the WCW World Tag Team Champions. And, of course, a picture of me and Roddy Piper, who left us way too early. What a great guy. And, guys, I got one more I'm going to show you up there. That's the great one, Muhammad Ali. That was taken backstage Madison Square Garden at the very first WrestleMania, where Vince McMahon brought him in to be a special guest for the show. What a night, Madison Square Garden. I want to show you my WWE Hall of Fame ring. And then right here, my NWA Hall of Fame ring.
And then, of course, the gold here, that's the Intercontinental Heavyweight Championship, the championship that Macho Man and I fought for at WrestleMania 3. Well, Benoit, Jonathan, I hope you enjoyed the tour of the Dragon's Den. Hope to make this podcast a very special one for your third season. And most of all, for you two guys, I want to thank you for being wrestling fans all these years and remembering the Dragon. Yep. So. Alors, c'était notre ami Ricky the Dragon Steamboat qui nous a fait une super de belle vidéo, honnêtement. Tu l'avais caché sous. Yes, puis c'est... C'est des reliques, des trésors. Ah, c'est capoté. C'est capoté. J'espère que vous avez trippé autant que nous autres pour faire l'émission, honnêtement. C'est ici que se termine, dans le fond, notre émission spéciale. Puis on va mettre aussi la vidéo séparée pour qu'elle puisse circuler et que vous puissiez la voir au maximum. Puis on va la mettre sur notre page YouTube, tout ça. On vous invite à nous suivre. On est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Twitter, Facebook, Instagram. Tout sauf le canal Playboy, tu peux le dire. C'est ça, exactement. Pour le mot de la fin, mon ami. Alors, merci d'avoir été des nôtres, cher Wrestle Rockstar. On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir.